Alors, les femelles, elles se définissent elles-mêmes comme étant des sextrémistes. Alors, comment ça se passe? Elles défendent et soutiennent le droit des femmes en employant des moyens extrêmes. C'est-à-dire qu'alors, elles sont souvent en jean taille basse, comme ça, moulées. En haut, elles sont nues. Ce sont des filles de l'Est, souvent assez jolies, c'est vrai. Hein. Blondes, le teint opalin, comme ça, les cheveux longs. J'ai pas dit sopalin, monsieur. Hein, et alors, autour des seins, comme ça. Alors, elles ont les seins souvent un peu durs. Hein, parce que c'est l'hiver, elles sont dehors. Hein, comme ça, on peut rien y faire. Et puis, autour des seins, se mettent de la peinture, comme ça, rouge, verte. Elles s'écrivent « fuck me » au marqueur. Bon, on a vu, on connaît, vous avez vu tous ces trucs, j'invente rien, attention. Et pour soutenir encore plus le droit des femmes, elles se mettent face caméra avec des sex toys comme ça et elles se les frottent sur les joues et tout ça. C'est vrai, on a vu tout ça, ces trucs. Et c'est vrai que quand tu vois ça, pour soutenir le droit des femmes, c'est vrai que ça fait... Hein, ça fait... Rien, chérie, c'est des femelles, t'as vu, ça fait... Hein? Ça fait bander! Non mais ça fait bander grave! Mais non mais bien sûr, il n'y a pas un type au monde qui va pas être excité par ça! Je veux dire qu'il est hétéro, bien sûr! Mais du coup, ça ne marche pas du tout, le message des femelles ne marche pas du tout! Alors que si les agriculteurs faisaient pareil... Hein? Imagine un gros agriculteur comme ça, avec une grosse moustache comme ça, avec un gros bide, en talon aiguille dans la bouse comme ça, face caméra avec un poireau... Monsieur Hollande! Non à la mondialisation, non! Là ça passe, hein? Là t'es choqué, tu vois, tu dis putain, ah non, bah là c'est horrible. Mais chérie, regarde l'agriculteur là-bas. Non à la mondialisation, non. Arrêtez monsieur, on va vous prendre deux navets, mais arrêtez ça. Non mais bien sûr, ça marche pas du tout quoi. L'agriculteur, le mec, le producteur de lait se verse le lait comme ça. Là tu as envie d'acheter du lait bio quand tu vois ça, tu vois. Alors que les femelles, non, pas du tout, tu vois. Et vous savez que tout le monde veut être CRS, et puis qu'il y a les femelles, hein. Les réunions de CRS à Paris, non, mais je... Ils sont là, les gars, on va aller à Bastille, là. Les gars, à Bastille, la manif en Bastille, cerise sur le gâteau, il y aura les femelles, ouais. Les mecs, ils lustrent leur matraque, tu vois où? Oh mon Dieu! Non mais c'est fou! C'est fou! Et là, la véridique, les femelles, vous avez vu ça? La voiture de Dominique Strauss-Kahn, alors là j'en entends rien. La voiture de Dominique Strauss-Kahn, elle arrive au tribunal, les femelles se jettent sur la bagnole. J'allume les câbles, putain, c'est pas mon anniversaire! Ah! Il a repris tous la caisse! Non mais t'es là! Arrête! Arrête! Qu'est-ce que tu fais, Dominique? Arrête! Cherchez les essuie-glaces, les mecs! Bah non mais sans déconner, il a niqué tout l'intérieur cuir. Non mais les femelles qui se jettent sur la voiture de Dominique Strauss-Kahn. Les femelles sur la voiture de Dominique Strauss-Kahn. Non mais c'est comme si des minimis, tu vois les minimis, se jetaient sur la bagnole de Jean-Luc Lahaye. Tu vois.